Hey yo! Salut à tous, c'est Yoda et je suis en compagnie de Lady. Salut les noobies! On se retrouve pour une petite vidéo tuto en zombie. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas fait de tuto en zombie. Et voilà, donc ça va être sur la map Origins. On va vous montrer comment posséder 2 ou 3 bâtons. Donc une petite astuce, il faut tout d'abord que vous ayez un bâton en main et que vous alliez perdre votre Mother ou autre arme dans le pack-a-punch. Donc vous vous retrouvez avec une seule arme. Et donc là, vous descendez dans l'éther où vous avez déjà placé tous les autres bâtons. On tient à signaler, il faut vraiment améliorer tous les bâtons que vous voulez posséder. Donc rendez-vous dans l'éther et là, la petite astuce, c'est de prendre la vigueur de Sekhmet en main et de pouvoir prendre un deuxième bâton, tout simplement. Voilà, donc le côté pour le cul du bâton, en fait, pour réanimer ses coéquipiers, voilà, c'est ça qu'il faut prendre en main, donc la vigueur de Sekhmet, comme l'a dit Lady. Et donc vous voyez là, hop, on a deux bâtons, donc la colère de Boré et la flèche d'Yule, donc le bâton de vent et le bâton de glace. Et donc il y a une autre astuce pour en avoir 3. Pour en avoir 3, tout à fait, donc bah, en fait ça paraît logique, c'est la même manipulation vraiment, sauf qu'il faut avoir donc la toute troisième arme. Là, vous voyez, on a déjà 2 bâtons en main. Et avec la toute troisième arme, donc il reste un slot d'arme vide toujours. Si jamais vous avez une troisième arme, allez l'améliorer. Pareil, vous l'oubliez dans le pack à punch. Sinon, là, vous voyez bien, j'ai vraiment que 2 armes. Et bien évidemment, si vous perdez la toux, vous perdrez le troisième bâton. Ça va de soi. Voilà, donc pareil, avec la vigueur de Sekhmet, on prend le cul du bâton et on prend le bâton de son choix. Donc voilà, le feu. Moi, j'avais feu, vent, glace, je crois, voilà. Donc vous vous retrouvez avec 3 bâtons et donc tout le débat va être là. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un glitch ou non? Donc voilà. Nous, on pense que non, c'est juste une petite astuce. Moi, je vais être franc, je pense que non, vraiment, vous voyez, il n'y a aucune manipulation pour tromper le jeu. C'est vraiment, on prend la vigueur de Sekhmet dans les mains et hop, hop, on peut prendre le deuxième ou le troisième bâton. Franchement, pour moi, c'est rien de compliqué. C'est simplement une astuce qui a été trouvée dernièrement, mais qui n'a pas été trouvée au début du jeu. Bon, voilà, donc écoutez, laissez-nous votre avis en commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde! À bientôt, gros bisous les gens!